Nous, plus paysans, ou avantage, c'est plus l'encouragement pour le travail. Donc, comment nous pouvons faire pour nous aider paysans pour produire plus et pour gagner plus confiance en nous? Achat locaux, c'est déjà un outil, un instrument qui encourage la production. Parce que y a un gros problème qui gagne dans le processus de production, ça veut dire qui gagne là dans la production, transformation, commercialisation, c'est question écoulement produit à côté que nous avons vendre. Le problème, ça, il posé souvent par le fait que nous ne connaissons pas bien le marché. Nous ne connaissons pas qui prix pour y aller vendre. Avec difficulté que vous gagnez tout pour sortir produit dans côté que vous faites avec côté que vous pral vendre. Avec instrument achat locaux, ça permet que vendre produit c'est déjà un bagage qui garantit. Et si paysan connaît que l'el produit, il gagne tant connaît que la pral vendre produit et il a payé le cash, c'est déjà un bon gens booster pour capable encourager la production nationale. Et l'État dans tout ça? Oui, nous connaissons le ministère, il y a toutes les structures de concentration qui sont dans le département. À travers la gestion départementale, nous connaissons très bien que il y a des possibilités pour faire recherche, hein, pour considérer plusieurs aspects. Nous connaissons l'aspect labourage, l'aspect fertilisation, l'aspect lutte phytosanitaire, etc., etc. Donc, c'est faire recherche. Je viens des paquets technologiques qui sont fiables pour permettre d'augmenter la production. Parce que la quantité de monde, c'est une, mais jouer sous paquet et tout, ça sont l'autre. Ça, c'est le rôle de l'État, c'est le rôle du ministère. Bon, quand nous parlons de ce que nous venons faire l'émission, c'est sûr que si vous nous parlez, ça y est, 30 minutes n'ont pas suffi pour nous parler autour de belles et sujets que nous avons. Poser des questions et puis, après, pendant 10 secondes, le temps pour nous rapidement pour nous finir. Est-ce que nous avons assez de produits pour nous satisfaire la population? Le programme achat locaux encourage la production locale. Et je dis à l'émission, il y a tout sens. Côté que l'État a réfléchi qu'on y a là pour voir qui politique qu'il a développé pour permettre que plus d'acteurs entrent là-dedans pour capable gagner plus de produits locaux qui sont disponibles. C'est ça. Question par rapport à Gono Malin. Et nous connaissons que 15 millions de dollars en plein Tobèk, question du riz, augmentation de production du riz. Dernièrement, dans la vie, on a Tobèk, nous disons que pile du riz qui fait, il n'y a pas de régulier. Est-ce que la coopération française, c'est sûr que Gono Bassin a privé, je le dis, dans tout le pays, et nous-mêmes, est-ce que nous ne pouvons pas avoir une organisation dans la zone ça pour nous être capables de responsabilité à acheter pour du ça? La coopération française a fait expérience à Chaloko dans la question du riz dans la Tibonite. Je dis à nous connaissons que la nécessité à tout le monde d'aimer entrer dans l'achat local. Mais c'est ça qui fait que nous avons comment avoir plus de partenaires qui sont capables d'intéresser à la question de l'achat local pour permettre que tout département soit capable de toucher là-dedans. Et leur ça, Jean-Agonon Bassendia, l'État pral défini une politique qui pour permettre que tel groupe d'acteurs qui a fait expérience à l'achat local tout permettre que des groupes planteurs qui sont dans le département sud, ou bien qui sont dans le département Nip, ou bien qui sont dans le département nord, capables de participer dans l'achat local pour qu'ils tournent une politique nationale. Agobassi, rapidement, dans Okaï, la Pentobec, Dieu a fait, est-ce que vous avez pu visiter le département? Oui, je vais vous visiter, au contraire, nous avons fait un inventaire qui est fait, nous avons une liste d'organisation qui a évolué dans la commercialisation du riz qui est déjà disponible et me déjà se mettre il y a PAM déjà. Mesdames, Messieurs, nous revenons fin émission. C'est un plaisir pour nous de présenter au lit. Nous avons remercié avant nous aller à Agronome Alain Moncœur qui représente le programme achat locaux dans l'ambassade de France. Nous avons dit merci de fait que il était participé avec nous dans l'émission. Nous avons remercié Agronome Bastien Judy qui est coordonnateur unité ça qui a pris les questions ça à Chaloko le ministère là. Nous remercions le fait que vous avez participé avec nous dans l'émission. Que madame CB, merci madame, monsieur Jeune, merci tout le monde. Nous espérons que si nous invitons encore pour l'autre débat autour de thème ça, ou après mettre compétences nous, savoir faire nous et à disposition ensemble du public à Gadimla. Merci tout le monde, nous avons rendez-vous pour notre émission. À la prochaine.